Kenji Girac s'est fait discret depuis l'accident survenu en avril dernier, un incident qui a failli lui coûter la vie. Cependant, il a fait une rare apparition il y a quelques heures dans une vidéo où il partage un moment avec un jeune fan. Comment va Kenji Girac ? Une question qui commence aujourd'hui à trouver une réponse. Depuis quelques heures, une vidéo du chanteur de 27 ans circule sur les réseaux sociaux. Dans cette courte séquence, on aperçoit celui qui a été découvert dans The Voice et qui a remporté l'émission en 2014, posant avec un jeune fan à la sortie d'un magasin. Habillé d'un short orange et d'un t-shirt blanc, Kenji Girac apparaît souriant et avec la bienveillance qu'on lui connaît lorsqu'il s'agit de son public, surtout quand ses admirateurs sont des enfants. Aucune indication n'a été donnée sur le lieu de cette vidéo ni sur sa véracité. Cependant, une chose est sûre, l'engouement des fans du chanteur a été immédiat et tous sont heureux de revoir leur idole sur pied. Certains n'ont malgré tout pas tardé à remarquer que l'interprète de Color Gitano a le visage plus fin, signe qu'il aurait peut-être perdu quelques kilos. Cette récente apparition de Kenji Girac semble marquer son retour médiatique après l'accident grave survenu à la fin d'avril. Le chanteur avait été grièvement blessé par balle à la poitrine, mettant sa vie en péril. Depuis lors, son absence des radars avait nourri l'angoisse parmi ses admirateurs et le milieu musical. L'incident, entouré de mystères quant à ses circonstances précises, avait conduit Kenji à une convalescence prolongée, éloigné des feux de la rampe. Son récent apparition dans une vidéo le montre visiblement en voie de rétablissement, apaisant ainsi les craintes de ses nombreux supporters et laissant entrevoir une possible reprise de ses activités artistiques dans un avenir proche, alors qu'il se trouvait sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes, en compagnie de plusieurs de ses proches, parmi lesquels figuraient ses parents, sa compagne Soraya Miranda et leur fille Eva Alba, âgée de 3 ans. Kenji Girac a été victime d'un incident tragique impliquant une blessure à la poitrine. L'enquête subséquente, nourrie en partie par le récit du lauréat de The Voice, a ultimement révélé que le chanteur avait accidentellement déchargé une arme à feu qui l'a blessé. Cet événement survenait sur fond de conflit amoureux avec sa compagne, Kenji Girac, dans un état avancé d'ébriété et avec des traces de cocaïne détectées dans son système, a perdu le contrôle de la situation. 10 ans exactement après sa victoire à The Voice, Kenji Girac s'est adressé à ses admirateurs à travers un message publié sur ses plateformes sociales. L'artiste a exprimé ses profonds regrets et a révélé suivre un traitement. Voici ses mots. « J'ai présenté de longues excuses à ma famille et à mon équipe qui m'accompagne. Depuis le début, mais je tiens en cette journée spéciale qui a changé ma vie à présenter mes excuses à vous tous car je comprends la douleur et les préoccupations que j'ai pu causer. Je vous remercie pour l'amour indéfectible que vous me témoignez depuis maintenant 10 ans et que vous continuez de me donner même après cette tragédie. Vous me donnez tant de force. Je me soigne, je prends du repos pour revenir encore plus fort grâce à vous et je souhaite tourner cette période de ma vie derrière moi », avait-il écrit.